Je sais que je ne suis pas un enfant ordinaire. J'ai déjà eu 27 opérations. Pour m'aider à respirer, à voir, à entendre sans appareil. Mais malgré tout, je ne ressemble pas aux autres. Comment affronter sa première rentrée à l'école quand on s'attire inévitablement des regards d'effroi? Et quand on est ses parents et qu'on l'a protégé du monde extérieur, comment lâcher son enfant si différent dans la jungle de la vie? Seigneur, faites qu'il soit gentil avec lui. Wonder suit l'année scolaire d'Oggie, atteint d'une maladie génétique, à travers ses yeux et ceux de toutes les personnes qui l'entourent. Un film inspiré d'un roman qui avait bouleversé l'actrice Julia Roberts. J'ai ramené le livre à la maison et on l'a lu ensemble avec mes enfants. Ça a été une expérience incroyable de lecture en famille. Et l'un de mes enfants a dit « Est-ce que tu penses qu'ils en feront un film ?» J'ai répondu « Je ne sais pas ». Mais dès le lendemain, je me disais « Ça ferait un super film ». Tu n'es pas laid, Oggie. Tu dis ça juste parce que tu es ma mère. C'est parce que je suis ta mère que ça compte plus. Parce que je suis celle qui te connaît le mieux. Pour son rôle, le jeune acteur Jacob Tremblay a dû réussir des prouesses d'interprétation et de maquillage. Chaque jour, ça prenait 2 heures de maquillage le matin et une demi-heure pour tout enlever. C'était long, ça grattait et c'était fatigant, mais je le ferais sans hésiter. Malgré son handicap, le petit Oggie est entouré par des anges qu'on ne trouve souvent qu'au cinéma. Un père formidable incarné par Owen Wilson, une grande sœur compréhensive, des profs exemplaires et bien sûr, une maman fantastique. Le film aurait peut-être gagné en profondeur dans un milieu moins privilégié, mais il a choisi la forme d'un merveilleux conte qui permettra aux jeunes spectateurs et à leurs parents bien sûr, de réfléchir sur la différence.